L'échange de bons procédés, c'est ce que l'on appelle le log rolling en anglais. C'est une stratégie de résolution de problèmes où les négociateurs s'échangent des faveurs par rapport aux thématiques de négociation qui sont les plus importantes à leurs yeux. Cette stratégie suppose que trois conditions soient au préalable remplies. Premièrement, il faut que les négociations portent sur plusieurs sujets de discussion simultanément. Cette première condition est en réalité très souvent rencontrée en négociation, même quand on ne s'en rend pas toujours compte. Dans les transactions financières, par exemple, les parties peuvent discuter en parallèle du prix de la transaction, du délai de paiement ou encore des modalités de paiement. Dans les situations conflictuelles, comme dans le cas d'un divorce, les ex-partenaires doivent se répartir les biens qu'ils ont acquis ensemble, mais également discuter de la garde des enfants ou du règlement de leurs dettes. La deuxième condition qui doit être rencontrée pour que l'échange de bons procédés soit mis en place suppose que les priorités des parties par rapport aux différents sujets de discussion soient sensiblement différentes. Pour reprendre nos exemples, ce serait le cas si dans la transaction financière, une des parties était particulièrement préoccupée par le délai de paiement, alors que l'interlocuteur s'intéresserait en priorité au prix de la transaction. Pour le divorce, un partenaire porterait une attention particulière à la garde des enfants, alors que l'ex-conjoint serait en priorité attentif à la façon dont les biens matériels seraient répartis entre eux. Enfin, troisième condition, il faut que les négociateurs soient capables d'identifier qu'une divergence de priorité existe entre eux. Pour cela, il est essentiel que les parties communiquent efficacement au sujet de leurs motivations respectives et qu'ils arrivent à mener des discussions sur toutes les thématiques de négociation en parallèle. Si ces trois conditions sont remplies, alors l'échange de bons procédés peut se mettre en place. L'échange de bons procédés implique que chaque négociateur fasse des concessions substantielles sur les thématiques qui sont prioritaires aux yeux de son partenaire, pour obtenir en échange des gains plus importants sur ce que eux-mêmes valorisent particulièrement. Reprenons notre exemple de la transaction financière. Un négociateur désire bénéficier d'un délai de paiement, alors que l'autre négociateur veut surtout s'assurer d'obtenir un bon prix pour le bien qu'il vend. Les deux négociateurs peuvent alors pratiquer l'échange de bons procédés en assurant un bon prix de vente pour le vendeur en échange d'un échelonnage des paiements sur le long terme pour l'acheteur. Ce faisant, les deux parties obtiennent un accord qualifié d'optimal, car remplissant les objectifs prioritaires qui sont poursuivis par chaque partie. Il va de soi qu'un tel accord ne peut être découvert que si les parties discutent simultanément de ces deux thématiques de négociation. Si au contraire elles choisissent de se mettre d'abord d'accord sur le prix, avant d'envisager une discussion sur les modalités de paiement, l'échange de bons procédés ne pourra pas avoir lieu. Pour terminer, je voudrais également évoquer la stratégie du pontage. Alors, le pontage, c'est une stratégie qui est assez proche de l'échange de bons procédés. Dans la stratégie du pontage, les parties s'échangent également des faveurs, mais cette fois, l'échange ne se produit plus sur les thématiques qui sont placées à la table des négociations, mais plutôt sur les motivations sous-jacentes. Le pontage nécessite souvent une reformulation du problème et les parties doivent s'engager à chercher à satisfaire pleinement les vrais besoins, intérêts et objectifs de chacun. De ce fait, le pontage peut également impliquer une reformulation, voire un changement total des thématiques de discussion, ce qui n'était pas le cas avec l'échange de bons procédés. Pour faire le pontage, les parties doivent dépasser les demandes qui sont formulées, ce que nous avions appelé les positions, et s'intéresser aux motivations sous-jacentes, ce que nous avions appelé les intérêts. Rappelez-vous, l'idée, ce n'est pas de réclamer l'orange, l'idée, c'est d'expliquer à l'autre pourquoi l'orange convoitée nous intéresse.